C'est maintenant que l'aventure commence. Vous rejoignez l'histoire en tant que dirigeant d'une armée de Drakiris. C'est votre chance de peser dans la balance et de remporter la victoire dans un monde en pleine évolution. Le premier chapitre de votre histoire commence peu de temps après le retour du dragon à Thora. L'action prend place dans l'océan Manikar, qui sépare les rives de l'Empire des humains d'Irosia, du royaume sauvage des orques d'Ashran. Ici, une tempête due au pouvoir des élémentaires fait rage, causant de grands dégâts sur la terre et perturbant les routes navales depuis de nombreux jours. Lorsque les tempêtes se calmèrent, les brumes se levèrent et révélèrent l'impossible. Un archipel de la taille d'un pays était soudainement sorti de l'océan. Ces terres étaient couvertes des ruines d'anciennes civilisations. Des navigateurs de toutes sortes, marchands et pirates, posèrent rapidement le pied sur ces nombreuses îles et se les approprièrent. L'archipel se fit connaître sous le nom d'île de Valgar. L'Empire Irosien, dirigé par l'ambitieux empereur Alexandre, a envoyé ses troupes pour construire le Fort Urien, une forteresse de bois gardée par une garnison située sur l'île principale. L'Empire ambitionne de s'en servir comme une base avancée pour ses troupes armées. Alexandre perçoit les Irosiens comme la civilisation la plus évoluée de Drakiris. Et maintenant que le chaos frappe à ses portes, l'Empire se doit d'instaurer la paix et l'ordre dans ce monde. Et il compte bien mettre la main sur les îles Valgar. Alexandre se comportera-t-il comme un tyran ou comme un sauveur? Ce sera à vous d'en décider. Les orques du royaume d'Ashral n'ont jamais vraiment cessé de croire à la magie élémentaire et aux esprits de la nature. Leurs chamans ont retrouvé leur pouvoir à présent que la magie est revenue. Les prophéties qui annonçaient l'apparition de l'archipel se sont réalisées, et ils savent que dans les temples en ruine des îles Valgar se cachent de nombreux secrets et pouvoirs. Les aiderez-vous à s'opposer à l'impérialisme d'Irosia aux côtés des autres races? Ou comptez-vous les encourager à garder jalousement les anciens savoirs qui permettraient aux orques de devenir la race la plus puissante de Drakiris? Les troupes d'Ashral viennent tout juste de tomber sur les troupes d'Irosia, et la bataille a commencé. Il est temps de choisir votre camp.